j'ai l'honneur de le dire, on a une grande chance d'avoir parmi nous aujourd'hui un des plus grands acteurs égyptiens, M. Gaby Retev. Je viens vous l'expliquer, John, de la du marché d'identité.
monsieur, vendez votre voiture. Vous, monsieur, mourrez de être conforme à votre passif. Et vous, jeune homme, faites-vous opérer. Ça n'est pas elle.
papiers et les diplômes que les compétences, ce que vous avez fait. Ne venez pas de vous. Soyez sûr. Vous avez des problèmes avec certains papiers. Mais nous, on nous appelle comment? Les sans-papiers. Avant, pourquoi? Parce qu'on voulait une hiver à travers l'immigration. Et alors, moi, très vite, je me suis vendu une section de démarches pour avoir des papiers. Comme nous. Pire encore, sans papiers, nous n'avons le droit ni à l'éducation, ni au travail, ni à l'assurance. Je vivrai comme un roi.
Et maintenant, regardez le monde sans papier. Oh là là, quelle propreté! On est bien dans ce monde sans papier. Oui, a tué la pollution. Aucun papier, ni carton papier. Tiens, pas de publicité distribuée. Au feu de Carrefour, plus de fumée pour détruire ces tas de papier. Plus de fumée de cigarettes non plus. Il n'y a pas de papier de tabac. Et toutes les usines en fermaient un vol. Et vous accueillir. Pour vos pieds dansés, vous êtes
gêné. C'est peut-être gêné pour... Mais c'est peut-être toujours pour garder dans son sac ou sous son oreiller. Maman! Mieux que toi, ça fait quoi, s'il te plaît? J'en ai plus! Qu'est-ce que je fais? Bon, je ne sais même plus partir ni les feuilles de vie, ni les jours. J'ai faim. Ce sont des papiers, ça n'existe plus. En ce qui concerne nos devoirs, c'est pratique, oui. Mais où est le contact humain avec le professeur? Oui, c'est vrai. Les encouragements, un sourire, une étoile sur le cahier, où sont-ils? Oui, c'est vrai. Une fessée, un claque, une oreille tirée. Où sont-ils? Où sont-elles? Invisibles. Personnellement. Les honneurs. Monsieur,
Mais le plus important est le savoir-faire. Attends-nous! Avant de marcher de là! C'est dit un complément de portefeuille, avec la carte d'identité, la ligne de conduite, le carnet de jeu et même le passeport. Une seule pièce d'identité par personne. Elle regroupera les infos précédentes. Et concrètement, monsieur l'inspecteur, or, reste la question. Comment pourrait-on réaliser ces propositions? Rassembler les présidents de tous les pays pour décider de cela. Et vous savez ce qui passe dans telle réunion? Attention, chauve-tue! Commencez à faire des petits
Alors, vous avez une très belle utilisation de l'espace scénique. Donc, je pense que vous allez vous travailler très souvent tous ensemble. Et à l'espace social tous ensemble, je trouve que ça se fait. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez fait pour utiliser aussi bien l'espace? Et sur la présence et l'absence, la règle, c'est quoi? Présence et absence, la règle, c'est quoi? Vous vous absentez combien de fois? Deux fois par an. Le droit à l'absence, à part ça, on est toutes là. Présent en répétition, on a deux absents. Mais c'est très bien. Moi, j'ai noté qu'il y avait une très belle attente devant moi, parce que... je pense que tout le monde l'a vu, hein. Vous êtes bien au taquet hein, pendant tout le monde. Ça, c'est très bien, et ça alterne les moments... au début où d'un coup vous êtes complètement immobile et où ça fait une sorte de décor avec les acteurs font le décor et les autres continuent à jouer, ça c'est vraiment très beau. Qui est-ce qui a eu ces idées? C'est Madame Mona qui a eu ces idées? Oui. C'est Madame Mona qui a fait la mise en scène. Oui. Thank you.
de choc, il y a le tour, hein. Ben, qui veut parler des problèmes? C'est bien. On est la parole à la langue. Bien joué. Merci. Bon, la mise en scène, il y a le premier problème, c'est que le théâtre de la Mère des Yeux à Escandie n'a pas les mêmes dimensions que là. Donc imaginez-vous, on était vraiment encombrés là-bas et il fallait bien coincer chaque groupe dans un coin pour qu'il n'y ait pas des embouteillages sur scène. Ça c'est un. Deuxième problème de mise en scène, c'était les statues, parce que là, c'était difficile de se figer, surtout pendant les répétitions. Là, chacune s'est figée quelques minutes, mais je vous assure, dans les répétitions, elle se figeait pas moins de 5 minutes jusqu'à ce qu'on arrivait à la manifestation. Aussi, pour mettre en scène la manifestation, la chorégraphe de la danse, elle s'est bien fatiguée parce que pour 20 personnes sur scène, c'était pas facile. Voilà, ça c'est pour la mise en scène et à part ça, la voix, mais désolée pour quelques voix cassées vu les conditions de la soirée dansante d'hier et voilà. Est-ce qu'il y a des questions à la salle? Monsieur Lamy. Ce n'est pas la vraie question, c'est juste pour vous citer. On a l'habitude que la Mère des Yeux nous fait des spectacles merveilleux. Et cette année, c'était vraiment un spectacle super, donc bravo et merci. Merci, monsieur Nabil. Monsieur Nabil, oui. Alors on peut les applaudir très très fort, s'il vous plaît. D'abord la mise en scène est très bonne, l'idée est très bonne aussi, et toutes les actrices, toutes les actrices sont très bien. Qu'ils jouent avec leur cœur, qu'ils aiment ce qu'ils font, ils sont à l'aise sur scène. Et je félicite vraiment tout le monde.